paquet de cartes qui t'a bougé, même, effectivement, il y a un agent BSB sur eux-mêmes qui tirait. Et il y a tout, et sécurité rapprochée Guy Philippe, eux-mêmes, ils ne vont pas faire aucune réaction. Ils ne vont pas faire aucune réaction parce que Guy Philippe, il y a appel à ce qu'il y a un escalier, mais personnellement, pas ouais, Guy Philippe. Et que vous arrêtez, mais moins que réaction de M. BSBS, oui, et tout le monde, donc encore, il y a une espèce qui va aller à l'épidémie, et puis il descend. Mais tout de suite, après, et devant zone de ville, je pense que avec la police, il y a un bon équipe là, et M. Réagent, Yves Moulot, les policiers administratifs, tout, M. Vino là, nous avons fait les espaces là, mais vous dites, il y a un peu de monde qui réagit, bon, nous par contre, on a réaction ça, mais selon mon côté là, des grands militaires parmi les médecins lycéens, il n'est pas normal pour s'arriver avec mon sénateur élu, notamment, qui finit parce qu'il à peine se prend et c'est spécialisé au niveau européen. Vous-même, comme journaliste, là, on a parlé et comme professionnel, est-ce que vous-même, vous avez une enquête pour nous d'abord à demi-temps? Est-ce que vous avez un agent de l'agence effective à hauteur d'homme dans le moment de procéder à l'arrestation? Bon, pas qu'à dire de à hauteur d'homme parce qu'il y a plusieurs monde qui devant, pas qu'il y a un monde qui blessé. Si nous avons à hauteur d'homme, c'est qu'au moins, un monde qui a blessé. Mais il y a une machine qui est devant eux, il y a une machine, on peut quoi? Il y a plusieurs feux qui font soupir comme ça, ok? Il y a plusieurs feux qui font soupir comme ça, même monsieur, on fait qu'on était des mouns qui avec Guy Philippe, qui était dans le pic-là, mais pas des personnes qui étaient dans le pic-là, mais monsieur fait juste, parce qu'automatiquement, monsieur fait réaction à Guy Philippe, il faut la passer dans la tête pour le virer, il fait du pic-là, il pas aucun monde qui est blessé dans le niveau, et il a pas de création dans la malgré sa distance, même si on a confirmé que l'agent de l'agence de la sénateur. Non, selon plusieurs témoins qui étaient pour chaque fois, et nous avons fait appel, et il y a des tout qui ont fait appel. Moi-même, personnellement, pas trop sénateur à appel, mais je suis appuyé avec lui, mais j'aime de la moulin, c'est une fois que tu copies à l'équipe qui a viré, le viré va être expédié. Bon, j'en ai dit déjà, et pas trop écrit avec appel, mais je suis appuyé avec le sénateur. Voilà, et Xavier, mandé collègue là pour nous et confrère journaliste là, est-ce que il y a un agent disons sécurité rapproché Guy Philippe yo ta ensemble avec eux tout? Non, yo pas rapproché Guy Philippe, c'est seulement sénateur qui a arrivé. Nous était à l'autre machine. Parce que Guy Philippe il était venu la machine député de celle-là, c'était la machine député de celle-là, Guy Philippe était venu depuis la fin d'après. Mais du coup, c'est des affaires d'intervention pour le micro Gary Desbochal, qui est animateur de l'émission, qui sont à l'étudier, qui sont à l'étudier, parce que selon Gary Desbochal, a invité dans l'émission, c'est parti de passer après l'Ivine Paul d'Afrique, c'est pas une invitation pour le soutenir. Oui, c'est vrai. M'en de Gary Pierre-Paul Charles, il dit ça vraiment. Mais attendez, est-ce que, ou même, comme vous t'avez suivi ça qui a passé, est-ce que c'est une émission pour c'est que c'est le gars de Bochal qui va accompagner Guy Philippe. Mais selon le gars de Bochal, il y a des journalistes qui ont été traumatisés parce que c'est lui-même qui a accompagné la traversée de la machine. Ok, mais est-ce que c'est agent BLTS même? Est-ce que l'uniforme est clairement identifié comme tel? Allô? Oui, est-ce que l'uniforme qui était sous policier qui allait à Guy Philippe, il était marqué clairement BLTS? Oui, c'est BLTS. Et alors, bon petit problème là avec communication. Wow. Eh bien, d'accord. Merci, confrère Xavier. Ok, et voilà. Et Denis, qui a nommé avec notre confrère lui-même, qui est Ford, Ford Milor, lui-même qui a travaillé pour RFM, Radio Téléanti, bien sûr. Donc, Radio Téléanti, lui-même, il a un moment, t'as fini parce que sinon, on a fini, on est obligé à buter, puisque machine par là, lui-même, qui est prêt à le braquer avec les machines et agents de LTS, lui-même, il a essayé, et sinon, lui-même, comment est lui, et c'est la situation. Ok. Alors, bon, ma mère, ça, c'est tout, c'est moi-même. Après, on a sauté en l'air, et puis on a descendu, et puis on a dit, par contre, si on est, oui, si on est en face, c'est qu'à deux, qui peut être en face, sous ce plan, même si l'âme d'avenir, puis il faut même dire, on pile d'âme automatique à tirer. Et puis, moi, prochain, on l'aime tellement, c'est vraiment des, comme c'est des gros âmes, et puis maintenant, de qui t'a gagné, qui t'a gagné, puis on ralentit parce que, par contre, qui t'a gagné, et puis même, quand il y a là, même, ça dit, c'était, effectivement, après quelques minutes, moi, c'est au marché, au pick-up qui passe, bon, côté de là, qui vient agent BLTS qui était là-dedans. Et automatiquement, moi, je passe, gon machine devant, et puis il y a agent BLTS qui est dans le pick-up, et puis je me dis, waouh, c'est ce que vous dites, ça passe, est-ce que c'est un kidnapping que la police connaît,
jusqu'à après, à un petit temps, l'aime, m'a attendu. M'a attendu. Et je me débranché à Haïti Débat, et puis je me attendu Gary qui dit bon, je vais peut-être arrêter qui filme la radio. Et puis moi, automatiquement, je descends, là, c'est machinant, et puis je dis nous, je devrais être un jeune. J'aime bien nous, jeune. En fil, la police, en fil, unité la police, ça me fait jeune des boys, et la police, et la administrative, et c'est une déjà vraiment, vous bien équipé avec la police, donc c'est ça. L'envenu, on va dire, je vais faire chance à la régalité du public. C'est pendant un public, après la soupe, tu vois, et que, et la police a été, arrivée. Ok. Eh bien, merci, confrère, et pour témoignage là. Et Xavier, ou bien l'autre personnalité avant, non? Oui, aussi bien l'autre personnalité. Oui, et Denisca, nous venons avec nous là, et Chamblain, cette personnalité lui-même, qui s'est un proche de Guy Philippe. Donc, on a fait, est-ce que Chamblain est avec Guy Philippe dans le moment d'arrestation? C'est ça, on a essayé de comprendre. Monsieur Chamblain, bonsoir, ou avec Vision 2000, nous avons gagné le mot Chamblain, Vision 2000. Monsieur Xavier, une justice qu'on connaît, d'être là, ou est-ce que tu es présent dans mon marché, comment est-ce que tu prends une situation? Est-ce que tu as besoin de mots? Justement, j'ai juste besoin d'une confirmation, est-ce que la sénateur, dans une situation mieux, de que là, et de monsieur, parce qu'il n'est pas voulu parler de ce que je parle, lui, il n'est pas présent, donc je suis content. Ok. Eh bien, voilà, merci Michelot Xavier et collaborateur nous donc qui t'a parlé avec des confrères qui étaient témoins et de arrestation Guy Philippe après-midi hein, et un confrère qui confirmait en dit tout de même, il a confirmé que c'est agent BLTS qui est arrêté Guy Philippe, nous t'as pas la Marie-Lucie, donc on a regardé est-ce que c'était vraiment BLTS et devant base BLTS là même gon mobilisation, gon forte présence et d'agents et de unités dans la police là qui est consacré à bataille contre trafic drogue dans pays hein, mais et bon nous croyons que et pas rien d'autre par rapport à qui unité dans la police là qui était arrêté et Guy Philippe là, c'est et bien BLTS bureau et de lutte contre le trafic de stupéfiants. Donc, qui bon Guy Philippe y est qu'on a? Nous pas connaît puisque Marie-Lucille t'a demandé à Jean BLTS qui devant et Bazioa, est-ce que y a plus ou moins baron idée de côté Guy Philippe, il n'y a pas de répondre à la question ça. Donc, pas de monde qui connaît, et présentement côté Guy Philippe lié. Mais, je ne tape joli, il y a deux informations qui t'a fait quoi que, il y a une possibilité pour que DHEA même t'a extradé Guy Philippe vers les États-Unis puisque il y en a fait avec la justice américaine et Guy Philippe tout qui gagnait et des accusations sous dol en Haïti comme quoi il a une certaine implication dans et attaque qui était faite sous commissariat au CAI, c'était en été passé. Voilà pour situation, il y a deux nouveaux contacts qu'a fait pour une jeune d'autres personnalités qui a témoigné et nous parler de Pestel même avec réaction de monde dans la communauté Pestel là et par rapport à arrestation et Guy Philippe qui c'est originaire de commune ça qui dans la grande danse et comment on comprend l'arrestation et puis très probablement dans la prochaine édition on va gagner l'autre témoignage encore probablement de monde et qui était et sous table témoin direct de arrestation Guy Philippe là après-midi hein, Guy Philippe et qui vient arrestation après que quelques heures avant, il était sorti dans le conseil électoral là, il prend certificat li comme sénateur de la République avec un mandat de 6 ans. Et nous pral gagner réaction du monde nan niveau Pestel, comment yo comprendre arrestation ça qui fait après-midi là. Et on nous dit que nouveau parlementaire yo c'est semaine prochaine donc nous, pendant week-end là on va enregistrer et puis et d'ici lundi deuxième lundi et de janvier il aura le gain pour entrer en fonction et soit comme sénateur soit comme député et nous connaissons Guy Philippe c'était sénateur que lié normalement donc c'est lui-même qui remportait et sénatorial lieu non niveau et département grand danselan et nous pral parler à qui est-ce. Nous allons parler avec
Christin Pierre-Louis. Christin Pierre-Louis, c'est un membre et responsable cellule consortium dans qui département? C'est dans le département et Corail. Corail, c'est encore dans la grandance. Christin et Pierre-Louis, bonsoir. Voilà, et Christin Pierre-Louis, nous t'avons posé quelques questions, mais Jean Bouillon est là, nous vraiment pas capable. Alors, auditeur, auditrice, c'est ambiance dans là, dans Corail, écoutez, des membres de la population, ils prennent la rue, ils ont demandé libération Guy Philippe. Et ça, c'est libération qui n'a pas demandé. Et ça, c'est pas de contestation. Et ça, c'est pour nous qui n'a pas oublié. Et ça, il n'a pas de libération du vif. Et vous avez dit ça. Vous avez dit que la parole était finie. Et ça, vous avez dit que la couleur va avoir le monde qui mauvais. Et comme c'est la couleur qui gagne sous le bras, la couleur qui gagne sous le bras. 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 Ok, Christin. Christin, est-ce que vous entendez nous? Allô? Est-ce que vous entendez nous? Question m'a posé qui est ou dit gon moun qui te dit la parité Guy Philippe? Qui est cité? Bon, ça veut dire que tout le monde est arrêté Guy Philippe. Là, ça veut dire qu'on est là, nous sommes là, nous entravés, mais problème sont pas ici à ce Philippe. Dans qui zone nous y est? Dans qui zone nous y est? Dans qui zone nous y est là? Oui, Centre-Ville Corail. OK, Centre-Ville Corail, donc c'est qui, des partisans de Guy Philippe qui prend la rue là qu'on est à cap manifester. Donc nous dit nous pas camper tant que Guy Philippe il pas jeune libération. Une population pour la rue depuis la fin de nouvelle là. Eh bien, merci beaucoup Christin Pierre-Louis qui c'est responsable et cellule consortium dans et Corail. Corail c'est dans le département de la Grandance, donc il y a au quatre dans idée. Donc son manifestation qui fait et qu'a fait qu'on est là dans moment côté n'a pas là côté monde Corail, il a demandé pour que et Guy Philippe l'état jeune libération. Monsieur dame, donc je nous comprends. Donc conjoncture là on dit et circonstances l'ont obligé que édition station édition spéciale liée d'ailleurs nous